chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Frères et sœurs en Jésus, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui l'Église nous donne de célébrer Marie, la Mère de Dieu. Marie, la Mère de Jésus, certes, mais Jésus qui est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière. En quelque sorte, on dirait le Créateur Jésus qui est célébré en tant que reçu par la création, représentée ici par la Vierge Marie. Nous célébrons donc la grandeur de cette servante du Seigneur à qui Dieu a donné la grâce de recevoir au nom de l'humanité son Fils. Mais aujourd'hui, l'Église nous donne aussi, comme c'est le début de l'année, l'Église avait le livre des Nombres, nous donne de recevoir la grande bénédiction que Dieu avait donnée à Moïse afin que, en son nom, lui le Dieu éternel, Moïse bénisse son peuple. Alors sur tous les fidèles, sur tous les hommes de bonne volonté, nous impartons, nous envoyons, nous proposons la grande bénédiction en ce jour. Que Yahvé vous bénisse, qu'il fasse briller sur vous son visage, qu'il marche devant chacun de vous tout au long de cette année, qu'il vous entoure et que sa grâce soit toujours sur vous. Pour l'année qui vient, au-delà de cette bénédiction, c'est-à-dire de cette puissance nouvelle qui nous est donnée, c'est aussi certainement le temps pour nous de repartir de nouveau avec le Christ. Repartir de nouveau avec le Christ, après avoir certainement pris un temps pour que nous puissions faire le point de notre vie, aussi bien sur le plan humain que sur le plan spirituel, avec, par exemple, des conseils de famille, des moments de retrouvailles en famille. Et on a fait le point pour voir là où le doigt de Dieu a été à l'œuvre dans nos vies au cours de cette année, que nous puissions également lui offrir là où notre faiblesse nous a amenés à nous éloigner de Dieu, en demandant certainement pardon à Dieu et en essayant de nous réconcilier quand c'est nécessaire. Mais il est plus important, comme je le disais tantôt, de repartir avec le Christ, c'est-à-dire de recommencer cette nouvelle année en nous confiant entièrement à Dieu, en nous donnant entièrement à Dieu. Le Saint-Père, dans son exhortation, la joie de l'Évangile, dit ceci. La joie de l'Évangile remplit le cœur de ceux qui rencontrent le Christ. Repartir avec le Christ signifie trouver un moment pour laisser le Christ nous saisir par son amour, laisser le Christ nous emporter dans sa grâce pour qu'on puisse être rempli de la joie qui nous libère, de la tristesse intérieure, du vide intérieur, de la peur, de tout ce qui empêche notre épanouissement. En début d'année, il est indispensable qu'on reparte avec le Christ en renouvelant des moments de rencontre. Ces moments de rencontre peuvent être des retraites, certes, mais c'est aussi tout moment de prière que je prends pour me mettre en présence du Seigneur, me laisser habiter par lui. C'est aussi toute participation à l'Eucharistie où je tends la main comme la femme hémorroïde pour toucher le Christ en sachant que si je le touche, je suis transformé, guéri et purifié. C'est le temps de repartir avec le Christ, c'est-à-dire accepter de m'agenouiller en me reconnaissant indigne comme un lépreux en disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Si tu veux, tu peux me bénir. Si tu veux, tu peux me sauver. » Et nous savons qu'en début d'année, et le début d'année qui est un temps de grâce spéciale, Dieu veut bien nous prendre par la main. Alors nous repartons avec le Christ en sachant que Jésus est là au cœur de notre vie. Dans nos matins, dans nos tendresses, dans nos détresses. Nous savons que Jésus est là quand nous sommes en fête.
Il est également là quand nous sommes dans la tempête. Il est là dans nos voyages, il est là dans nos nuages. Nous repartons avec le Christ en sachant qu'il nous saisit, lui, le Fils de Dieu, pour nous transformer, pour nous donner d'aller de l'avant. Et c'est donc un appel nécessaire de repartir avec le Christ, d'avancer en eau profonde, confiant parce que le Seigneur est là. À tous et à chacun, je redonne en ce saint jour ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux dans son amour vous bénisse en ce saint jour, qu'il vous illumine par la grâce de son Esprit Saint, qu'il touche votre intelligence et votre volonté, qu'il vous bénisse vous et vos familles, qu'il vous bénisse vous et vos enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne et heureuse année 2017, une année pleine de grâce de la part du Seigneur. Merci. Mère du premier fruit.